Et yo les potes, me revoilà, je redis au MP4, aujourd'hui nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Future vidéo comme vous avez pu voir au titre de la miniature, la future chaîne de Jordi MP4. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui je vous fais cette vidéo pour vous en parler, comme ça au moins ça sera fait directement. Je pense que ces derniers jours j'ai voulu sortir des vidéos, mais je les ai pas du tout sorties. Vous allez vous dire pourquoi, parce que je trouve ça pas intéressant de vous présenter ce style de vidéo sur ma chaîne. Je pense que la première vous a pas franchement plu, alors peut-être voilà. Aujourd'hui, je vous fais cette vidéo pour vous parler dans l'avenir, qu'est-ce qui va se passer pour ma chaîne, parce que j'ai besoin de vous en parler maintenant. Et comme ça, au moins, les futures personnes qui verront cette vidéo vont comprendre pourquoi que ça soit long. Là, aujourd'hui, on est quand même le 11. Septembre, je crois, c'est ça, ouais, septembre 2020. Je pense que le temps que vous voyez la vidéo, ce sera peut-être dans 2 ans, 1 an, dans 1 mois ou dans 6 mois. Et aujourd'hui, je vous parle ça comme le futur pour YouTube. Il s'agit de qu'est-ce que j'aimerais bien changer sur ma chaîne et changer bah, quand même pas mal de choses. Voilà. Déjà, je pense que le setup et le décor, c'est un des premiers trucs que je devrais vous en parler. Je pense que depuis, vous voyez que sur PlayStation, j'ai arrêté d'activer la caméra de PlayStation qui s'affiche en haut, à droite ou à gauche et tout. Et je vous l'ai pas dit pourquoi je l'ai désactivé. Au pire, je l'ai plus du tout. C'est parce que actuellement, il est rangé dans des cartons. Et comme je risque de déménager à la fin de l'année, j'aimerais bien avoir un vrai setup. Un vrai setup avec une tour, clavier, souris, la PS4 ou peut-être la PS5 quand elle sortira. Et j'aimerais bien avoir un vrai décor que ce vieux matelas dégueulasse comme un canapé pour vous présenter mes vidéos. Je voudrais changer complètement tout mon setup. C'est pour ça que j'espère que quand je vais déménager, je prévois de faire des travaux. Ça veut dire que de base, vous aurez plus de vidéos à part celle-là. C'est la dernière vidéo où vous me verrez en live, comme ça. En caméra et en pire bah si vous voulez me suivre c'est tout simple, il faut juste me suivre sur Instagram. Je pense que le décor ça peut être un peu important maintenant parce que quand quelqu'un voit que ouais il a un violet, une vieille table dégueulasse et tout, il dit bah lui il vaut pas le coup, c'est juste un gars qui veut faire des vidéos pour la thune, ce qui est pas mon cas parce que je travaille de l'autre côté et que j'ai pas envie de m'améliorer. J'ai envie de m'améliorer. Je pense que c'est la dernière fois que vous verrez, à part peut-être d'autres vidéos au dernier moment où je pourrais vous présenter des unboxings, peut-être des unboxings qui datent, mais voilà. Sinon, spécialement, ce sera peut-être la dernière vidéo que vous verrez sur ma chaîne en face commentary. Voilà. Pour vous annoncer que les webcams comme ça va être arrêté. Ou pourquoi pas que les vidéos se fassent à l'extérieur, mais ça, il faut préparer aussi de l'avance. Voilà. Aujourd'hui, déjà, en plus, c'est que je pense que. Bah là, je dois passer le code de la route. Je pense que vous avez compris directement. Je dois passer mon permis de conduire. Je dois l'avoir. Oui, je l'ai pas. Je sais que certains vont me dire, putain, mais t'es vieux et tu l'as pas. Non, je l'ai pas du tout. J'ai toujours eu le temps, bah pas le temps de le passer. Parce que bah face au taf, voilà. Et bah de base, je devais le passer même avant. J'ai jamais passé avant. Et aujourd'hui, je dois le passer. Alors le code de la route, ce sera dans ma future. Dans mon futur projet, voilà, je vous en ferai pas de vidéo sauf pour vous dire les gars, j'ai mon permis de conduire. Je pense que ça, dès que j'aurai, bah, je referai une vidéo hein, voilà, pour vous dire les abonnés, je peux me déplacer, j'aurai une voiture, ce sera assez stylé. Voilà. Pour mon taf, alors mon taf actuellement, je commence à faire des stages un peu à gauche à droite, je vois comment ça se passe. Alors vous allez vous dire, mais un stage c'est pour les jeunes. Non, alors les stages ça peut être aussi pour les adultes. Si je fais des stages, c'est pour gagner plus. Ah, là je vous mens pas. Si je veux, je préfère taffer, c'est pour voilà, pour pas rester chez moi, mais rester proche aussi de ma chaîne YouTube. C'est comme un. Pour m'améliorer à vous proposer autre chose. Par exemple, le musée Harry Potter que j'aimerais bien faire un jour. Là actuellement je peux pas. Si je préfère gagner plus avec mon taf, c'est pour dire que voilà, je préfère dépenser pour ma chaîne YouTube, mais aussi pour mes abonnés. Alors comme ça au moins vous savez, j'ai envie de m'améliorer. Là actuellement, je vais pas vous dire dans quoi je travaille.
comme j'ai fait comme stage, je peux pas vous le dire aussi parce que c'est peut-être personnel. J'imagine que si je vous le dis, bah, ils vont dire ouais, ils gagnent bien, ils ne dépensent pas cette vidéo et tout. Non, je préfère travailler de l'autre côté, comme tous nos 25, et faire des vidéos gratuitement où genre vous pouvez. Là, aujourd'hui, je pense qu'on suit comme ça, vous êtes tous, bah, je suis sûr à 100%. Je commence, j'ai 27 ans. À la fin de l'année, j'ai 28. Je pense que le gaming n'est pas fait pour moi. Il faudra que je vous propose des vidéos sur autre chose. Et à la fin, il faut que je trouve une solution. Il faut que je vous propose plus de vidéos dès que j'aurai déménagé en face cap. Voilà, comme ça. Voilà, pour la vie. Pourquoi j'avais marqué ça? Ah oui, voilà. Absolument. Ma vie, je veux pas me plaindre, j'ai un travail, j'habite chez moi. J'ai un ordinateur, j'ai un appareil de photo et mes abonnés avec moi. Voilà, déjà, merci pour les 100 abonnés. J'ai envie de m'améliorer. Voilà. Je pense que si à 40 piges je continue à faire des vidéos, imaginez, vous allez dire, mais attends, il est trop vieux lui, il est trop moche, c'est un vieux youtubeur. De base, je pense qu'à 40 ans, j'aurais déjà arrêté avant. Voilà, j'aurais déjà construit ma petite vie. J'aurais peut-être un gosse, hein, qui vous dit. Hein. J'aurais un gosse avec. Il voudra être youtubeur comme les grands. Et bah, ça sera à moi d'acheter tout ça. Et à la fin, j'ai envie de m'améliorer. C'est comme là, je voulais vous dire pour mon taf. J'ai envie de m'améliorer. Ça veut dire que peut-être à 35 ans, je vous le garantis, je vais peut-être arrêter. Voilà, ou peut-être continuer, mais vous proposer, voir si ça marche. Parce que le but, c'est que si j'arrive un jour à atteindre 100 000 abonnés, j'espère bien un jour, je pourrais continuer, mais pas en me faisant payer par YouTube. Parce qu'en même temps, maintenant, YouTube vous propose de faire des partenariats. Et moi, j'ai pas franchement envie. Je sais pas, j'ai un doute, que j'ai un peu peur que les gens disent ouais, vas-y, il accepte, juste parce qu'il est payé. Alors de base comme ça, si j'ai un taf, on pourra pas me dire ouais, il fait que ça prend l'argent. Et on voit ça dans la vie. Voilà. Et pour mon téléphone, voilà. Alors au cas où, certains ne suivent pas sur Instagram. Instagram où ça s'affiche actuellement. Je ne suis pas actif sur Insta. Pourquoi? Parce que mon téléphone vient me lâcher. Alors je pense que dans ces prochains jours, j'espère bien, il y aura une vidéo d'un futur téléphone. Alors ne pensez pas que ce soit le dernier iPhone ou Samsung ou Huawei, mais vous verrez directement sur ma chaîne si vous activez la cloche, comme ça au moins vous serez notifié, vous serez alerté sur votre téléphone et peut-être vous viendrez me voir même en live. Ma chaîne Twitch, je continue des fois un peu streamer en permanence. Je pense que je pourrais aussi m'améliorer dès que j'aurai ma tour. Que la petite bête là, elle m'attend toujours ici, hein. Voilà, et il faut voir dans l'avenir. Voilà. Bon, les amis, franchement, j'ai rien d'autre à dire à part mon futur décor de mon setup. Aujourd'hui, ce sera la dernière webcam que vous me voyez, facecam, je veux dire, pendant du mot, et on se reverra dans les futurs setups où ça va déménager. Voilà, je pense que même pendant quand je vais déménager, pendant une semaine, il y aura des travaux. Voilà. Monter les meubles, pourquoi pas faire la peinture, parce que là de base le mur ici vous voyez qu'il est blanc, mais je trouve que c'est moche, c'est horrible. J'aimerais bien avoir un truc un peu stylé où je peux avoir de la couleur. Alors vous verrez directement. Je pense qu'au moment où je vous ferai ma première vidéo face cam, ce sera ma future vidéo setup. Au moment que tout soit installé, qu'il y a ma tour, bah tout ce que je veux en vrai. De base, j'ai déjà une idée à quoi pourrait ressembler le décor de mon futur setup. Après la forme où se trouve la cuisine et tout, vous verrez. Mais ça sera tout. Voilà. Bon, allez, les amis, moi je vous laisse aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous peut-être soit ce soir ou demain en live sur YouTube. Je vais peut-être faire un stream ce soir. Voilà. Aujourd'hui, il est 17h17. La vidéo, je vais la travailler maintenant. Comme ça, vous êtes sûr que vous serez actif. Bah vous êtes alerté pour les futures vidéos. Et voilà. Bon allez, je vous fais des bisous à tous et rendez-vous tout à l'heure sur ma chaîne YouTube en live. Bisous à tous.